Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale décide de ne pas aller en grève jeudi et vendredi prochain. Une décision prise à la suite des engagements pris par le gouvernement de satisfaire certains points de la plateforme revendicative du SINCHA. Ces points concernent la sécurité des agents, les conditions de travail et la loi 081. Et pour matérialiser cette nouvelle étape des négociations, un protocole d'accord a été signé hier entre les deux parties. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala et Nathalie Sawadogo-Nabaloum. La sous-section Shinsha du CHU Yalgado Ouédraogo suspend sa marche sitting. Avec le gouvernement, ils ont trouvé un terrain d'entente sur leur plateforme revendicative. Une des propositions que nous avons proposées, nous avons fait du moins, est que la police, donc, qui est quand même chargée d'assurer la sécurité des biens et des personnes, puisse avoir une présence au sein de l'hôpital Yalgado afin de dissuader donc les éventuels usagers qui viendraient à vouloir apporter des mains sur les agents de santé. À la question du matériel au niveau de l'hôpital, ce qui n'est pas spécifique au niveau de l'hôpital, c'est un peu un phénomène que nous sommes en train de résoudre progressivement. Et je l'ai dit, je le répète, et je l'ai dit au syndicat, nous ne sommes pas là pour faire des langages de dupes, mais également pour se flatter dans ce Burkina-là, avec les difficultés que nous connaissons, il est possible actuellement d'imaginer un scénario dans lequel les 27 000 agents de santé, leur papa, leur maman, ascendant direct et descendant direct, leurs enfants et leurs épouses puissent être pris en charge intégralement. S'engager sur cette voie, ça veut dire s'engager dans une voie sans issue. La signature de ces documents est le symbole d'un compromis entre les deux parties. Au niveau du premier point, on est satisfait du fait qu'on a incarcéré les agresseurs, satisfait du fait que le gouvernement a pris l'engagement, effectivement, de faire la sensibilisation de la population, de dire la vérité à la population. Maintenant, au niveau des conditions de travail, c'est des engagements que le gouvernement a pris. Ils ont dit qu'il y a un plan d'équipement et autres. On attend de voir au niveau de la réalisation. Par rapport au troisième point, qui est la loi 081, là, la machine est en marche. Parce qu'ils disent que fin mars, les travailleurs des EPE, des EPS vont avoir l'incidence financière du reversement dans la loi de 81. La sous-section Shinsha du CHU prend note des engagements du gouvernement et attend de le voir à l'œuvre.